Bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir pour cette belle soirée de football. Enfin, la belle soirée, façon de parler, car on nous annonce de la pluie dans les minutes qui viennent. Remarquez, on ne dirait pas en regardant les tribunes, car les supporters sont venus très nombreux. J'en profite pour les saluer, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ils sont toujours là pour soutenir leur équipe. Et l'ambiance qu'ils mettent fait partie intégrante du football. Alors merci et chapeau à eux. Des tribunes bleues et grenat, un hymne qui retentit. Pas de doute, on est dans un des temples du football, au Camp Nou. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match? Maybe Arturo Vidal. C'est un milieu de terrain comme on les aime. Super complet, rapide, technique, précis et attention à ses tacles. D'accord, merci pour ce petit pronostic. On va voir maintenant. Oh, la frappe! C'était presque au fond. Il y a mis du cœur, mais il était loin quand même. Et marqué à cette distance, ça restera. Grenade qui cherche l'étincelle. Vous avez remarqué comme les latéraux montent? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ennemis adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer des dégâts. Il passe en retrait au gardien. C'est joué long. Suarez! Oh, le poteau! Il y a danger. Messi! C'est encore repoussé par le cadre. Ils s'en sortent. Et c'est bien de se montrer patient dans la construction, mais si c'est pour finir comme ça, c'est dommage quand même. Arthur qui récupère ce ballon. Il progresse encore. Il va au duel. Il est en bonne position pour centre. Suarez! Et il manque le geste décisif. Barcelone profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, en action, c'est pas brillant non plus. Il s'en sort plutôt bien, je dirais. S'il le trouve, dans la profondeur. Et ce ballon en retrait vers le gardien. Messi! Pas mal ce tacle. À la régulière, il est battu, joli tacle. Un ballon intéressant. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Arthur. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Pas de but dans cette première période, mais ce match est loin d'être terminé. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion. C'est donc sur ce score de 0-0 qu'on va se quitter un instant. Et on se retrouve tout de suite. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Vidal qui est récompensé de son pressing. Arthur. La passe en profondeur pour Suarez. Ce n'était sans doute pas la meilleure option. En plus, il avait du soutien. Vient de reprendre et les filets tremblent déjà. Les joueurs de ce calibre ne restent jamais trop longtemps sans marquer. Quel régal! Le gardien était bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. Mais il faut communiquer dans ce genre de situation. Messieurs les défenseurs, vous êtes à la rue. Le FC Barcelone qui a donc ouvert le score.
Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit à la pause, mais ça a bien marché en tout cas. Et les voilà devant. Coup franc pour Barcelone. Quelle frappe! Elle était lourde cette frappe, ça s'est joué à rien. Ce sera le premier corner du match. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il décide d'allonger le jeu. Il allonge le jeu. Messi est bien placé. Pas de solution, demi-tour. C'est bien ce qu'il fait là. C'est osé. Oh, Soldado. Oh, le contre, l'arme fatale. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Il tente de la jouer dans l'espace. Quelle occasion, attention! Là, il cherche à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Il est à distance de tir. Oui, il peut frapper là. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Oh, Soldado. Il a trébuché sur cette intervention. Et ils essaient de repartir de derrière. Le FC Barcelone qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Bien servi. C'est joué long, attention. Oh, attention. Dans la surface. Oh, c'est chaud. Il y a danger. Sans se poser de questions. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. Ils auront douté jusqu'au bout, mais cette victoire 1-0 suffit largement à leur bonheur. Ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dans le match et on se dirigeait carrément tout droit.